Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez, je suis pas chez moi. Et aujourd'hui, on se retrouve au McDonald's de Vélizy. Merci à eux de m'accueillir. Et oui, parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous avez vu la miniature? Vous avez vu le titre? Peut-être un peu trop grand pour faire ces aires de jeu d'ailleurs. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo qui me plaît énormément. Je sais pas si vous avez déjà vécu faire votre anniversaire au McDonald's. Oui, moi c'est un rêve de gosse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va pallier à ce rêve de gosse parce qu'aujourd'hui je vais fêter mon anniversaire avec les copains ici dans ce McDonald's. Cette vidéo, les amis, n'est pas sponsorisée par McDonald's. Ils me prêtent très très gentiment cet espace. Regardez, on a ici le Playland qui est donc l'endroit où on va passer toute cette vidéo à kiffer. Encore à McDo de me prêter les lieux et le reste. Regardez, il y a des petits ballons là. Et moi? Il y aura plein de copains, je vais vous les présenter tout de suite juste après. Ils vont arriver également par ce petit toboggan. Eh oh, ça résonne. Donc voilà les amis, c'est parti tout de suite. Accueillons les invités. Bonne vidéo à vous. Valentin et Oxy. Oh putain, je suis coincé. Non, c'est bon, je suis là. Waouh. Et ça va ou quoi? Attention, regarde. Hop, tu passes pas ta tête. Ça va? Bah ouais, ça va. Non, on dirait pas, on dirait pas. Et Sora. Oh, tu mets du temps un petit peu, on dirait. Mais... Oh là, regarde, tu te fais mal. Waouh. Oh, Maxime, hey, ça va? Ça va, comment on va? Yes, ton anniversaire aujourd'hui? C'est mon anniversaire. Putain, let's go. Allez, va t'asseoir. Lucas Studio, s'il vous plaît, un tour d'applaudissement. J'ai super peur pour vous à chaque fois que vous venez. Le prochain, Gizzy. Attends. Wingardium Leviosa, voilà. Allez là, ça va. Regarde, parce que toi et moi on est petits donc ça sert à rien. Dooms. Yeah. Oui. Donc, tu vas bien? Ouais, très bien. Super. Et pour terminer, Camille LV. Putain, mais oui, c'est parfait. Hop, encore une fois, t'as pas besoin comme moi vu qu'on fait partie de ces gens. Salut. Qui sont petits. Ça va? Bah ouais. Allez, je t'en prie. Les amis, bienvenue. Oh, venez, on fait tous une petite feuille avec écrit nos prénoms dessus. Oh, ça va. Non, mais j'ai vraiment une écriture de poney, quoi. C'est ouais. Non, on va couper là, évidemment. On va quoi couper là, même? On va quoi couper? Je vous invite à mon anniversaire, finalement. J'ai 11 ans aujourd'hui. Ah ouais, 11 ans. Wow. T'es presque un pré-ado. Ouais, là, je commence à avoir la voix qui fait comme ça. Oh, la petite technique de Dooms là, moi je l'ai mis. Comment t'as fait? Oh, les souvenirs, ça, de l'époque. C'est qui? C'est Valoche qui est juste là. Regardez le mien comme il est stylé. Il n'y a rien à part. Les amis, aujourd'hui on va faire des petites activités, des petites animations. C'est mon anniversaire, j'ai envie de vous régaler. Voilà. C'est surtout moi qui vais. Et on t'a acheté des cadeaux. Arrêtez. Eh oui. On t'a ramené des cadeaux, bien sûr. Ouais. Mais moi j'ai jamais eu de cadeaux. C'est toi qui nous a demandé, c'est qui a moins de 10 euros, tu te rappelles pas toi? Ah, c'est moi qui vous ai dit. Ah, par rapport à. Tu nous as dit que tu nous remboursais après, donc j'espère bien. Non, mais en faisant. Ok. On a dit de boire après le tournage. Vous savez, est-ce que vous êtes prêts pour la première animation? Bah oui. Pour vous dire la vérité, c'est une animation surprise. On n'a aucune idée de. Attends, et ça c'est des trucs qui se faisaient au McDo à l'époque? Alors pas du tout. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est exceptionnellement fait pour moi. Arrête. Donc écoutez, c'est parti, la première animation, je ne sais pas c'est quoi. Allez, c'est parti. Jingle. Le Pictionary. Alors, je vous explique les règles. Il y aura une équipe de 3 et deux équipes de 2. Lucas Studio et Camille LV, Raven et Neoxy, et l'équipe de 3, Sora, Dooms et Gizzy. Parmi chaque équipe, il y aura un dessinateur et une autre personne qui devra deviner le dessin. Chaque partie sera chronométrée et l'équipe qui mettra le plus de temps à répondre aura perdu. Et comme un anniversaire au McDo, ça se fait pas sans maquillage, une maquilleuse est présente et l'équipe gagnante choisira le maquillage des perdants. En vrai, on est cool, on se met à 3 pour vous laisser en duo. Oui, bah vous faites gaffe, c'est mieux d'être à 3 qu'à 2. Hein. Non. Lucas, Camille, Neoxy et allez, moi, et les. Enfin, eux là, tous les 3. Comment ça, non? Bah, les petits noms de team là, ça part. Viens, attends, on est en récréation là, faut qu'on réfléchisse. Attends, viens, on réfléchit, mais comme des enfants de 8 ans en récréation. Pourquoi je parle comme ça? En fait, on est bourré. Ouais, je crois, en fait, c'est ça. En fait, et toi, putain, ça commence la vie de ma mère, arrêtez ça là. Genre les bombardiers. Non, je... Oh, c'est super. Non, franchement, c'est nul à chier. Hein. Je me permets d'intervenir dans votre choix. Hein. Oui. Jamais dit que ça allait être les pirates. Comment il a su? Ce sera les pirates. Alors, la team de Gizzy, Dooms et Sora se nommera... Les Wakabe. Quoi? Les Wakabe? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Les Waka Waka et. Camille, Lucas, vous vous appellerez comment? Nous, on est Maison Grise 2021. Et nous, on s'appelle...
Des pirates. Tu dessines. Je dessine mieux, je crois. Je suis pas certain, non, Valentin, c'est peut-être... Ok, super. J'ai fait une cocotte. Okay. Oh putain, montre. Qui c'est qui dessine de votre côté, là? Mais c'est le mieux ici. Mais non, non, arrête. Ok. Moi, je voulais bien y aller, mais on dirait que... Déjà, il y a pas trop d'entente dans cette équipe, là-bas. Nous, ce sera Dooms la dessinatrice. Allez, c'est parti. Allez. Faut pas les aider, hein. Nous, on reste ensemble. C'est Dooms qui dessine. Tiens, on te donne le papier, comme ça, on peut pas tricher. Ah oui, tu peux le montrer à tes camarades. À la camarade. C'est le diable? Je vois rien. Une fourmi? Un cafard? Un cafard, une coccinelle. L'araignée gypsy monte à la goutte. Un homard? Oui. Omar, let's go! Son nom de famille, c'est Si. Omar Si. Yes. Tu peux partir. Oh. J'en ai pris 16 secondes. Oh. Ok, je pioche. Mais pourquoi le papier, il est très long, là? Prends une couleur. Mais attends, c'est une blague. En vrai, si, ça peut. Si, ça le fait. Ok, une ligne droite, une main. La main de Godzilla, une patte d'oie. Ah, c'est une spatule. Tu fais cuire un steak. On est dans la merde, Valentin. Non. Ok, ça, c'est un petit bonhomme qui mange ça. Mais attends, mais j'essaye. Attends, tu manges un carré. C'est un bout de vache qui rit, je te jure, c'est ça. Une galette des rois. Ah, on se rapproche. On se rapproche pas du tout. C'est comme une tarte. Merci, c'est bien. C'est comme une tarte, regarde ça. C'est quoi ça? Au poireau, genre. Une tarte au poireau. Oui. Mais c'était trop dur. Il a eu un homard, moi une tarte au poireau. Putain, bien joué, non? Combien de secondes? 1 minute 5. Ah ouais, c'est... Putain, on est... Autre chose, hein. Autre chose. 45 secondes. Non, c'est toi qui dessines, Camille? Ouais. Oh, non, complexe, hein. Waouh, c'est pas si simple, hein. De l'eau, un bec benzen. Bec benzen. C'est une litière. Ah, y'a moyen qu'ils perdent en vrai, hein. Attends, mais fait quoi là? Bah, dire qu'elle a fait des couilles. Attends, mais quoi? Un cappuccino. Oui. What the fuck? Attends, mais pardon, y'a un mammifère avec une paire de boules. Donc Valentin, on a gagné, ça veut dire on a fait le plus de temps, donc ouais, c'est ça qu'il fallait faire. Quoi? Mais non. Combien de sûr que si. Deux autres équipes ont le bonheur de devoir choisir le maquillage. Comment ça, les deux autres équipes? Non, il y a une deuxième manche, mais avec les deux gagnants. Mais non. Ok, du coup. Quoi? Mais venez, vous nous dites pas c'est quoi, on se fait maquiller, on doit deviner. Ah oui. Ok, on a choisi. On a choisi pour Raven. C'est pas pire que ce que vous avez choisi. Non, rien à voir. Vas-y, va, je te laisse aller te faire maquiller, puis moi je le ferai pas, d'accord? Bien sûr, Bon. En attendant, les amis, c'est le moment de faire la manche numéro 2. Une ligne droite, une ligne arrondie, un doigt. Non, un animal. Une saucisse sur pâte, là, le comment. C'est une race de chien? Non, en fait, il a pas les oreilles comme ça, il irait comme ça. Un corgi? Oui! Let's go, corgi! Mais un corgi, tout le monde connaît les corgis pour leurs grosses fesses toutes moelleuses, toutes mignonnes, là, les grosses fesses, là. Max? Tranquille, mec. Ok, non, mais je veux dire, c'est mignon, quoi. 18. Mais attends, mais c'est une blague! Mais ils sont trois! Comment ça, les refs? Voilà ce que Camille va devoir dessiner. Ok. Une table basse. Ah, une oreille baignoire? Claude François? Quoi? Un paquebot, un bateau de croisière. On a vraiment gagné, les gars, on va gagner. Bain moussant, j'avoue. Mais oui, c'était bain moussant. Combien de temps? 25 secondes. Let's go. On va vous choisir un maquillage, les frérots. Celui-là pour Camille seul, s'il te plaît. Et pour Lucas, Lucas, les maisons. Celui du bas. Et vous allez vous faire quoi? Mais non, mais ce qui me fait peur, c'est que je vais ressembler à la même chose. Par contre, c'est super bien fait, hein, je tiens à le préciser, hein, c'est un très beau travail. Ouais, magnifique. Allez, on fait ça. Y a pas de gagnant dans cette histoire. Regarde. Et dis-lui qu'il y a pas de gagnant. Ose lui dire dans les yeux maintenant. Tu veux te regarder, Valentin? Ouais. Attention. Oh là. Attends, par contre, c'est incroyablement bien fait, c'est fou. Elle est trop forte en vrai. Mais attends, c'est quoi cette masterclass? Raven. Il y en a qui sont favorisés. Il y en a certains qui ont moins eu de chance que d'autres. Ouais. C'est bizarre parce que de ce côté-là, t'as rien, quoi. Ouais. Regarde, nous, on a ça. Parce que si tu fais ça, regarde, on dirait qu'il y a rien. Alors que si tu regardes là, j'ai l'impression qu'il y a tout. Je sais pas du tout, je suis en quoi. J'ai vu que j'avais beaucoup de noir et que ça comme couleur. Du coup, tu es Batman. Let's go. Moi, je suis quoi? Miraculous. Ah, je suis une coccinelle. Et Lucas. Moi, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. J'ai rien du tout. Ouais, j'ai aucune idée. Tout à l'heure, je pensais que c'était Spider-Man parce qu'elle faisait des traits assez précis. Ça n'a rien à voir avec Spider-Man. Mais je pensais que c'était ça. Shipper, arrête de shipper. T'es rusé comme un renard. Mais oui. Oh, mais non, jure. Et nous, on est quoi? Chiant.
La suite, les amis, ça vous dit en petit creux là? Ça vous dirait pas de gras? Ouais, on n'a pas mangé avant le tournage, donc nickel. C'est ça. Un petit menu, ça vous dirait chacun là? Oh, allez, ça part. Les amis, en attendant de manger, on va avoir peut-être un petit quiz. Un petit quiz sur ma personne. Mais non. Quel est le membre d'entre vous qui me connaisse le plus? 18 cm. Ta queue. C'est vexant si personne a une réponse. Oui. J'ai ici deux buzzers. Donc si vous dites une bonne réponse, évidemment, ce sera. Et si vous dites n'importe quoi? Il ne faut pas manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Rendez-vous sur www.mangerbouger.com. Flore va donc vous poser les questions. Moi, je suis juste là pour vous juger, dire oui ou non. Et vous riez de ma vie pour à tout jamais. C'est quand même hyper excessif. Ok, let's go. Quel est le dessert McDo préféré de Ramadan? Moi! Tout simplement, c'est un McFlurry. Moi! Moi! Valentin. Le verre est parfait. Ah, mais c'est fou, ça! Ah, 1m76. C'est ce que je voulais dire. 1m72. Oh non! Combien d'années abonnés sur YouTube? Moi! Ça doit faire 6 ans, je crois. Oh, 5 ans. Non. Valentin depuis 4 ans. Non. Moi. 7 ans. Oh, c'est fou, personne ne le connaît encore. Une chance d'avoir invité ton anniversaire, en tout cas. Tu connais mon prénom déjà? T'as cherché ouais, la prochaine question. Ok, ça marche, ok. Combien de temps que Raven est avec sa copine? 8 ans. Oh, ça peut être mon ref. C'est le Japon. Moi, coiffeur. Ah ouais? Mais parce que j'ai découvert ça après être sur YouTube. Genre, je me suis dit, si tout de suite YouTube s'arrête, je pense que je serai coiffeur. Moi aussi, j'aurais aimé être coiffeur. Après, on doit lécher. C'est elle? Ouais. Ah, moi, Animal Crossing. Bien sûr. Maintenant qu'on a bien mangé, les amis, sur. Est-ce que ça vous dirait de vous dégourdir les jambes un petit peu derrière? Non, je veux juste digérer. Ah, d'accord. Allez, les amis, on va s'amuser. Attendez, prenez vos téléphones. Allez, on s'amuse. Ouais. Alors, vous allez voir que quand on va être tout en haut, on va juste avoir trop chaud. Et c'est ça le truc un peu quand on est des gamins là. Attends-moi. Attends, viens, on les attend, gros. Putain, c'est génial. Ah oui, on fait un blocus. Et comment vous allez aussi vite, les gars, wesh? Ah, mais bon, les sensations de retrouver ça, les gars. Ah, mais oh, le McDo de Montélimar Nord là, on est là, on s'en rappelle. Hein. Ah, la gueule que j'ai. Parce qu'on est contre la réforme des retraites. Mais c'est incroyable, vraiment, là, je suis comme un putain. Eh, fais-le la tête à l'envers, c'est génial. Ça fait flipper gros. Je m'en bats compte, c'est en termes de digestion, c'est pas mal ce qu'on fait là. Oh, combien tu fais à l'envers? 3. 1, 2, 3. 2. Allez, ça dégage. Non. Non mais à l'envers. Quoi? Oh. Allô. J'ai tué Valentin. J'ai envie de vomir sur 8 générations là. Oh, combien tu fais la tête à l'envers? Ok, 3, ok. 1, 2, 3, 1. Putain mais non. Allez hop là. Another one. Allez, à toi sur 2, vas-y. 1, 2, 3, 2. Putain. Allez, ça dégage. Il n'a pas perdu pour toi. Au revoir Camille. C'est le toboggan de l'horreur. L'autre là-bas vraiment elle est en PLS. En fait il tourne tellement qu'on est obligé d'épouser la femme. Ça va ou quoi? Venez, on fait tous le même toboggan à la queue leu-leu. Là, je vais céder. Bon, les amis, c'est l'heure de mettre le petit Max sur les yeux. Le petit Max. Wow, et c'est le T-Max. C'est une moto, ça, j'adore. Vroom, vroom, vroom. C'est trop, hop, et comme ça, on voit plus rien. Ah ouais. Lucas, essaie de me checker comme ça au pif, vas-y, 1, 2, 3. Attention, ça arrive, je vous dis. Let's go. C'est parti. Voilà. Je pense ça marche. Avec la main. Avec la main. Une omelette. Ah, il faut les manger là. On peut le dire direct ou pas? Un McMuffin, c'est ça? Bah, du coup, il a dit. C'est déjà que t'allais dire? Ouais, mais un McMuffin. Excuse-moi, je suis désolé. Un McMuffin. Bah, j'avais jamais goûté. Ça, c'est bon. C'est un des meilleurs trucs de chez McDo. Ok, prochain round, c'est parti, Flore, dis-nous. Ok, c'est parti, Raven. Oh là, oh là. C'est tes doigts, là. Maxime, c'est tes doigts. Ah, ok, non. Tu veux que je... C'est qui fait ça? Qui fait ça? Qui... Touchez pas à mon espace vital. Tiens, la coste TN, le boss. Eh, tiens, la coste TN. Putain, tu sens les liens, je veux l'entendre. C'est même sûr, allez, on y va, les amis, on peut goûter. Ah, sauce chinoise. C'est la sauce chinoise, ouais. Ah, sauce chinoise. Et moi, une petite soupe que de sauce chinoise, c'est banger, hein. On peut retirer le... Putain, c'était bon. Putain, on dirait les testeurs de nouvelles recettes. Putain, c'est bon, ça, à l'aveugle. J'aime bien. Mais j'ai une boisson. C'est une boisson que j'ai. Frère, rends-moi mon truc. Un big tasty, un triple cheese. Non, ouais, un royal cheese. Un royal cheese, un royal cheese, ouais. Il y a du bacon dedans, bien sûr que non, c'est pas ça. Le bacon, moi. Bah, royal bacon. Comment ça, t'as pas de bacon? C'est quoi? Ah. Il y a eu un temps si long. Royal bacon, du coup? Ouais. Ouais, bien joué, Maxime, là. Un burger, hein, calmez-vous. Ok, top. Et tu le déglingues, hein? Moi, je le kiffe. D'accord, d'accord. On t'attend, d'ailleurs.
Pourquoi personne ne demande? Oh, tu fais un câlin là? Je pense que j'ai fait une bonne manne, c'est ça? Waouh, wow. De toute façon, c'est, tu fais une déclaration là? Je crois couper Masterclass Banger. C'est bien. Vous pouvez déguster. Allez, ça part maintenant. Avec les doigts. Oh, c'est encore un burger. Avec les doigts? Non, ouais, avec les doigts. Ah, McChicken, rien qu'à l'odeur. Quoi? Mais il est fou, lui. Rien qu'à l'odeur, mais il a raison, Mac. Non, ça si, si. Non, il a raison, McChicken. McChicken, ouais. Alors, Flore, résultat? Ah ouais? McChicken. C'est le McChicken! Attends, mais on est bien d'accord que j'ai eu absolument zéro bout de viande, moi. Voici mon bout de McChicken. C'était juste un Mac. C'est tout. On met tous les bandeaux, là? Sauf moi. J'adore cette étape de vidéo, là. Mais comment ça? Mais en même temps, t'as qu'à manger des choses aussi. Mais j'y peux rien. Ma théorie, c'est si Dooms ne peut pas manger, c'est du lait. C'est une glace. C'est bon, on peut y aller? C'est froid. J'espère que c'est froid. Ah, j'ai raté ma bouche. McFleury, je sais pas quoi. McFleury avec dents. Dents nappage caramel. Oh, le dents. Oh, oui. Mais ça me fait mal aux dents. Ah, c'est vraiment bon de fou. Ouais. Mec, c'est génial. Oh, c'est trop. C'est que du caramel. Oh, la meilleure chose. Oh là là, tes mains. Un peu caramoule. Ouais, tu peux. Eh oh! Comment c'est possible d'avoir fait? Mais il a fait pire que ce qui devait se passer. Oh ouais, j'avoue, c'est une dinguerie, ça. Putain, mais tu le fais super mal. Mais non, mais je suis un chien de Sibérie. Hey Raven. Oui. Salut, ça va? Oh, Relsan, il est là. Je suis désolé, mais Lucas le fait hyper bien. Merci les gars, ça me touche. Hein. Salut, Dédé. Ça va là? C'est Aurélien San, ça, je connais. Allez les gars, on peut goûter. Oh, il veut du casse caramel. Mais il est trop fort. Ah, c'est bon de... Mais comment il veut? Moi, j'ai juste passé un bon moment. Ouais, pareil. Moi, je préfère le M&M's hein, quand même. Ah ouais? Non, le dain, il est quand même pas mal, j'avoue. J'avais jamais goûté. C'est quoi? C'est quoi? Bah donne-moi. C'est quoi, frérot? Tu me donnes une boule, hein? C'est quoi, frérot? Tu me donnes une boule, hein? Je donne mes boules si tu veux, mais. Les amis, maintenant on va passer. Hey, un anniversaire, c'est quand même un petit gâteau finalement. Donc, mais des cadeaux. Mais on a plus faim. Je vais souffler mes bougies. Donc c'est l'heure du gâteau et des cadeaux pour moi. La 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 la. Et on t'a fait plaisir, hein? C'est vrai? On t'a fait, on t'a pris que des bangers. On dirait que c'est faux. Que des bangers. Non, parce que tu vas adorer. Ah bah moi, en fait, j'ai analysé tes passions. J'ai trouvé un truc, je me suis dit waouh. Là, je vise dans le mur. Moi, je me suis rappelé 2 minutes avant de partir. Du coup, j'ai pris un objet qui était devant moi. Ok. Et honnête, c'est honnête, hein? Attention, c'est honnête. Toi aussi, Flavie? Moi, j'ai mis tout mon cœur dans le cadeau. Oh, ça me fait plaisir. Mais... Moi, tu verras. Moi, tu verras. Il m'a fait super rire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh, les donuts au sucre. Oh, j'ai 3 ans. C'est trop beau. Tiens, bah, tu dois tout manger en moins d'une minute, Raph. Tu dois faire un vœu. Ouais. Allez, je souffle. Oh, mon haleine. Valentin, tu veux quoi? Moi, je veux un macaron, moi. Un macaron à la framboise. Je peux t'offrir mon cadeau? Oui, tu peux m'offrir ton cadeau, Lucas. Je suis assez fier de mon cadeau. Alors, c'est quelque chose qui a une valeur sentimentale, avant tout. Quelque chose que j'ai chez moi depuis longtemps, donc j'ai totalement pas acheté. J'ai vu qu'en partant, j'ai oublié d'acheter un cadeau, je me suis fait, vas-y, je te refourgue un truc, ok? Oh, merde, Lucas! Mais déjà, il le sort de sa poche, le truc. Ah, c'est ce qu'on appelle. Ah, non, attends. C'est un faux œuf. Quoi? Attends, mais c'est incroyable, Théba. Tu crois que c'est un œuf? Donc, tu l'envoies à des gens pour un prank, et en fait, c'est un faux œuf, il rebondit. Mais c'est pas l'invention du siècle. C'est la pire séquence. Moi, c'est un coussin pour... Mais il l'a dans sa poche depuis tout à l'heure. Merci Lucas, c'est super gentil. Tu veux que je te le rende? Si tu veux, je vais le mettre dans mon décor, non? Merci Lucas, ça me fait très plaisir. J'ai essayé d'analyser un petit peu tes passions, j'ai pensé au Raphaël que je connais. Et tout simplement, je rejoins un petit peu Lucas sur le fait que j'avais complètement zappé de t'acheter un cadeau. Donc du coup, je me suis dit qu'un superbe magazine de foot japonais, ça pourrait te plaire. J'ai oublié que t'es à l'envers. Je déteste le foot. Mais je sais. Mais justement, j'adore. Ah bah non. Que ce soit japonais, j'adore. Je suis comblé. Ah, comme ça, je vais pouvoir le lire, non? J'ai un poster de... De je sais pas qui. Non, en fait, c'est pourquoi j'adore, parce que ça vient du Japon. Rien que pour ça, j'adore. Mais du coup, il y a lui aussi qui vient du Japon. C'est lui en plus. Oh, il est mignon. Oh, c'est trop mignon. Arrête. Il fait quoi? C'est une peluche. Ah ouais. Merci Valentin, ça me fait. Mais grave, ça me fait trop plaisir, vraiment premier degré. En fait, tu mets Valentin, fallait pas. C'est pas pour ça. C'est dans le magazine japonais. Mais ça, t'inquiète, je vais mettre dans mes toilettes. À moi. Oh, le petit papier. J'ai décidé de t'offrir quelque chose que j'ai également, comme ça, on pourrait être assortis. C'est des chaussettes Barbie. Oui, mais elles sont super confortables. C'est super gentil, Camille, je te remercie. Ils veulent pas partir avec toi. Tiens, moi, je tiens à te faire un cadeau parce que j'ai pas envie d'être dans l'ordre. Ça me fait plaisir, mon frérot. Je pense que ça va te faire plaisir. Et en plus de ça, c'est personnalisé juste pour toi. On dit un truc que t'as pris dans mon studio, c'est bizarre. Non. Non. Attends, je joue vraiment avec toi.
Putain, j'adore. C'est vraiment un objet à toi. Ah, il l'a personnalisé pour toi. Mais j'ai eu la même chose quand j'y suis allé. T'as bien fait. Ah, mais tu l'as eu en double alors. Bah, en fait, ouais. Non, mais c'est ouf, on dirait la manette qu'on avait eue à la soirée Xbox là, où il y avait Raven avec nous en plus. Ouais, c'est ça, bah, j'ai eu la même quoi. Après, ça me l'a fait en deux fois. Mais j'ai l'impression de l'avoir vu dans ton studio. Ouais, je l'ai déjà, mais je pense qu'il l'a eu en deux fois. Mais c'est généreux quand même parce que je pense une manette de Xbox ça coûte plus de 10 euros. Tu me diras. Moi, en tant que youtubeur, c'est quoi honnêtement 100 euros? C'est de l'argent de poche. Vas-y, frérot. Moi, en fait, frérot, j'ai réfléchi à notre amitié et je me suis dit, waouh, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts? Ouais. Et je me suis dit, tu vois, pour que tu sois une personne toujours meilleure. Qu'est-ce qui me fait penser à toi? Ah, je pue, c'est ça? Non! Mais rien à voir! Ce serait pas un pack pour. Rien à voir! Le légendaire! Mais là, c'est le coffret entier, t'as le gel douche, ouais. T'as le déodorant, ouais. Et le parfum. Trop bien! J'ai jamais senti l'odeur du scorpion. Ouais, attends, j'avoue, j'en ai offert un, mais jamais senti. Ça sera. Yeah. Merci Maxime. T'es content ou pas? Ouais, de ouf. Mon cadeau. Wow, moi, je me suis dit, je suis passé devant, je me suis dit, c'est un classique. Il faut qu'il l'ait. Ah oh oui, ouais, c'est ouais. C'est un DVD? Tu sais pas. Oh. La pâte pas trop. Et pas tout le. J'ai pas vu le 2, le 3, le 6. J'ai pas de lecteur DVD, je vais pouvoir pas les regarder, c'est cool. Mais t'as la PS5? Non. Ah bah merde. Merci Dom, ça me fait trop plaisir. Bah. Et ça à la maison pour le ménage là. Et merci à tous les amis, merci d'avoir participé à cette vidéo parce que c'est la fin de cette vidéo. Ouais, ça me fait super plaisir, j'ai vécu enfin mon rêve. Merci à tous d'avoir participé, j'ai trop kiffé. Évidemment, on retrouve en description toutes les chaînes de tous les copains. Merci encore au McDo de m'avoir accueilli, c'était incroyable. Regardez sur lui, regardez tout ça. Merci à vous tous, abonnez-vous, je vous fais des gros bisous, à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.